Voilà, il est 8h30, jour numéro 2. Il fait déjà 26 degrés. On est parti pour 130 km et 1900 mètres de dénivelé. Ils ont prévu des températures ressenties jusqu'à 31. J'espère qu'on ne jouera pas trop chaud. Faudra boire surtout. On part soudé et après ça va casser, je pense, dans les bosses, comme hier. On a bien dormi, l'hôtel était super. Voilà. Bonne journée à tous et vive la Corse et les Bretons. Et voilà, le groupe est déjà fait. On attaque le désert des Agriates. Ça va monter un moment, on aura peut-être un peu chaud. Salut Bruno, comment ça se présente aujourd'hui? Ça démarre par un petit col là. Le col des Agriates. Alors Stéphane, je vais essayer de le garder. Ah, garder le maillot de la journée. Le maillot jaune et les chaussettes de la même couleur. Ah Bruno, il a pas les poids rouges mais il a le maillot. C'est sérieux, ça commence aujourd'hui. Ah ouais, bah tu nous as bien réchauffé hier déjà. Hein. Ah Christian, bonjour à la. Toujours aux avant-postes Christian. Et voilà, une échappée. Allez, à plus dans le bus. Ah c'est parti. Allez, à plus. Des Agriates. Bon, c'est pas si désert que ça. Bon, ici ça descend dur depuis 5 minutes, on est en pleine descente. On se régale. On descend à 38-40. Sortir le téléphone avant, c'était trop compliqué. Excellent. Bon, ici on a trouvé un groupe sympa, ça roule bien. On arrive à 38. Ouais, ça roule bien aussi. Hein. C'est pas les mêmes calories. Hein. Ouais, vive la Corse. Alors au bout là-bas on voit l'île Rousse, je vais essayer de zoomer. Sans me casser la gueule, voilà. L'île Rousse. Et là le groupe, bah ils sont partis devant, il y a un groupe qui nous a doublé là. Et par contre il y a de la voiture maintenant, la vache. C'est pas pareil. Ah ouais, il y a du monde. Faut que je me range. Allez. Bah ici il y a un camion Europe Car. Enjoy your moving. Et au cul du camion, ah bah il y a le ravito. Allez les gars, vous avez la banane? La banane, c'est la nana qui l'a pris. Ah la banane. Et le gentil organisateur, vous l'avez doublé, Noël. Moi je ne l'ai pas vu sur la route. Ah ouais, elle s'est arrêtée là? Je viens de la voir. Ah ouais, elle voulait s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle dit, Marie, c'est pas là, elle est pas pour toi. Tu veux pas lui filer ta banane, Stéphane? Oh putain. J'ai proposé, elle n'a pas voulu. Ah, vous voulez pas. Une demi, comme vous voulez. Voilà le ravito, là, il y a ce kiff là. Il y a de quoi manger. Il y a tous les bagages, les vélos derrière. On va prendre des bananes. Hein. Il devrait profiter en chercher là-bas en face. Voilà, là ça monte dur, on est à 10%. Il y a un super paysage derrière. Vous le restez là les gars. Eh merde, je sais pas. Ben voilà. La petite baignade était vraiment sympa. L'eau était transparente. C'était sublime. Elle était même pas froide.
Elle devait être à 20 degrés facile. C'est un gros plus. Quand on est à vélo et qu'on a très chaud toute la journée, de prendre dans l'eau, c'est génial. Bon, c'est reparti tranquille, mais devant, ça va être sérieux, ça va monter là maintenant. Allez, vive la Corse et les Bretons. Là, ça grimpe tranquillement. On est bien. 25 degrés, 3% de pente. Ça va bien. Et c'est beau. On est venu. Bonjour Porto. Bientôt arrive à Porto. 5 km2 encore les gars. Combien? 5 km2, faut pas accélérer. De côte. Ouais, de côte. Ah la vache, ouais, je crois que c'était la distance qui nous séparait de l'arrivée. Non. 1 km de côte. On parle plus en distance, on parle en dénivelé maintenant. Allez, ça grimpe. On arrive à 1886 mètres de dénivelé. C'est pas mal. 200 mètres à monter. Et on a fait 134 km. Et il fait, je vous dis la température, 25 degrés. Bon, après l'effort, le réconfort, on va se faire une petite boisson rafraîchissante locale, genre Pietra. Et voilà, on est à Porto, on va profiter.